Et sur le lac Kivu, une pirogue motorisée a chaviré au niveau d'Idjoui, faisant état de 6 morts et une cinquantaine de rescapés. C'est le bilan provisoire que le ministre provincial des Transports a déclaré à la presse pour Alimassi Mathieu. Le surchargement et la mauvaise atmosphère seraient parmi les causes de ce naufrage. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jeannot Kalinga. L'État, le gouvernement et surtout le ministère des tutelles qui donne, qui met à la portée des usagers, là on va toujours pleurer les gens. Et ce n'est pas correct. Moi je pense nous devons rentrer au bon sens, être des bons citoyens, appliquer, pratiquer toutes les mesures et qui sont là, et juste pour le bien-être de notre population. Et là nous déplorons le décès de 6 morts. Il y a eu 3 femmes et aussi 3 enfants. Et c'est triste pour nous. Et donc, il y a aussi 59 repêchés. Ça, c'est un bilan qui existe jusque-là, provisoire. Et nous espérons, et les recherches continuent. Les recherches continuent parce que l'armateur, il a fui avec le manifeste. C'est juste avec le manifeste que nous devions savoir exactement il y avait combien de gens, de personnes dans cette embarcation.